Le transport, se déplacer ou voyager. L'homme n'a jamais cessé de chercher à faciliter ses mouvements, que ce soit avec l'invention de la roue ou, plus récemment, du chemin de fer. Les moyens de transport se sont alors démocratisés et on voit apparaître dans les villes des bus et des tramways. Aujourd'hui très présent, quelle va être la place du transport en commun dans la ville de demain? À quoi ressemblera le tramway du futur? Et si ces déplacements devenaient autonomes, libres des contraintes fixées par les rails ou les routes? Le Salvador, la Suisse, la France. Quel que soit le pays, ou même le continent où l'on se trouve, il existe forcément des moyens de transport en commun pour se déplacer plus rapidement, plus facilement, tout en polluant moins. C'est ce que nous avons constaté. Séparés dans trois pays opposés, géographiquement et culturellement, le choix du thème des transports nous a semblé évident. C'est un sujet universel. Il représente au mieux la démarche que nous avons parcourue afin de nous retrouver pour réaliser ce projet. À l'image du train modulaire, nous ne connaissions que notre destination, sans pour autant avoir un trajet précis écrit à l'avance. Ce trajet a évolué tout au long de la phase de conception pour permettre d'aboutir au jardin rituel. Une ville, un parcours, un jardin. Initialement, nous voulions représenter un réseau entier, dans lequel le visiteur aurait pu se promener. Devant l'absence de cohérence que représentait cette idée, nous nous sommes alors concentrés sur la réalisation du parcours d'un seul tramway, symbolisé par une succession d'arches. Le mouvement sera créé par le visiteur. Celui-ci pourra déambuler là où il le désire, créant lui-même son propre cheminement. Ce parcours se fera à travers un dédale végétal inspiré par l'organisation d'une ville. En périphérie, dans les banlieues pavillonnaires, les plantes sont basses et individuelles, à l'image de maisons. Des cubes de fer structurent le jardin, tels des bâtiments qui structurent une ville. Plus l'on se rapproche du cœur de ville, plus les végétaux sont de taille imposante et dense, à l'instar de gratte-ciel et autres immeubles. Les végétaux représentent la ville par un jeu d'échelle. C'est une ville végétale au sens littéral comme au sens figuré. En effet, il s'agit d'une ville biomimétique, un univers entre ville et végétal. L'environnement et la nature sont devenus modèles à suivre et à reproduire. Végétal et structures métalliques s'allient pour créer un environnement calme et apaisant, avec quelques grimpantes aux ports délicats. En arrière-plan, la grâce des graminées se conjugue avec les floraisons discrètes des alliums et figure des bâtiments lointains. Ce biomimétisme transparaît au travers de la toponymie des lieux traversés et des ambiances que nous avons créées. Deux places invitent à l'arrêt et à la détente autour d'éléments dynamiques et interactifs. D'un côté, la place des tournesols, inspirée de la promenade du Paillon à Nice, où le mobilier mobile permet de suivre la course du soleil, et de l'autre, la place des pas perdus, en référence à la salle des pas perdus que l'on peut trouver dans les gares. Sur cette seconde place, des panneaux amovibles nous rappellent qu'il n'existe pas qu'un seul chemin pour arriver à destination. Il ne vous reste plus qu'à prendre votre ticket, vous installer tranquillement dans un wagon et profiter du voyage. Attention, embarquement immédiat.